1 km. Puis au quotidien, bah, bonheur il est rare, hein. On est souvent blasé, on s'attend à plus, on en veut plus. Sans un trail, le bonheur c'est tout simple. C'est simple comme un seau d'eau. C'est combien de temps que t'es là? Comme ça aussi? Là, ça fait 1 heure presque. 1 heure? Ouais. Putain, tu vomis toujours? Ah ouais. Ouais. Non mais marche plutôt que de rester assis, ouais, ouais, puis tu vomis, puis tu marches. Je vomis, je marche, je vomis. Il y a un truc normand là. Je sais pas trop ce que c'est, je sais même pas où c'est d'ailleurs la Normandie. Le plus beau drapeau du monde pour la plus belle région du monde. Ouais, il y a des Bretons aussi, non? Non, on leur pisse dessus au moins. D'accord, ok. Belle donne. J'arrivais à la bourre, hein, ça fait 2 minutes que je suis là. Pardon. Belle donne. On est parti normalement. 41 km. Un mur de plus de 1000 mètres de dénivelé, le plus gros dénivelé de votre journée. Juste quelques mots pour vous, pour tous ceux qui vont croire jusqu'au bout, qui vont se battre malgré tout. Une pensée et une journée plein d'espoir. On attaque avec un KV. On compte sur. C'est 1000 mètres d'un coup. Et juste après, on a 600 d'un coup. 700 d'un coup. Il y a 1007 là. C'est vous-même qui allez le donner ce matin, une fois de plus. Vous tapez une dernière fois dans la main, vous regardez et vous dire. C'est parti ! 1 km de sentier, 2500 mètres de dénivelé à partager en toute liberté. Faites-vous plaisir. Aujourd'hui, c'est la troisième journée pour le challenge. C'est votre première journée pour le Beldon. Ouais, je suis tout dernier bon là. Bon courage à vous tous. Les Bretons qui se réunissent sur les courses, c'est leur drapeau. Moi je mets pas, moi je suis breton mais je mets pas mon drapeau. Tu me demandais s'il y avait beaucoup de Normands, je dis mais à quoi on les reconnaît quoi. Eh bah ben, ça. Bah ben, voilà. Tu vois. C'est une distinctif. Ouais bah voilà, donc là je suis derrière Clément parce que c'est un pote sur Twitter, hein, on va dire ça. Et comme il va plus vite que moi, si je veux le filmer, faut que je parte vite au début. Et ouais. Et il y a un truc normand là. Je sais pas trop ce que c'est, je sais même pas où c'est d'ailleurs la Normandie. Le plus beau drapeau du monde pour la plus belle région du monde. Ouais, il y a des Bretons aussi, non? Non, on leur pisse dessus au moins. D'accord, ok. Et tu me disais quoi tout à l'heure là sur la dernière montée, le dernier 400 des plus là? D'hier? Ouais. On a léché les ronds de chapeau parce que je crois que la bière au ravito elle a un peu coupé les pattes. Il a pris une bière au ravito ce con. Un petit Cronenbourg, c'est pas ça meilleur, quoi. Mais ça fait du bien. Ouais. Mais ça va pas de prendre une bière au ravito. N'importe quoi. On fait ce qu'on veut quoi. C'est bon pour le mental, c'est comme les myrtilles. Voilà, c'est... Ouais. Il y avait des framboises un moment sur la montée. Mais... T'as vu? Ouais. Ouais. Mais j'ai plus que les myrtilles. Je vous en ai laissé un petit peu quand même. Ouais, moi j'ai rien pris, j'étais à fond. Hein. Il fallait partager. Moi je suis pas du genre à m'arrêter au ravito. Apparemment, à me saouler, tout ça. Moi je suis un trailer dilettant. Oui, c'est vrai, t'as ça sur ton profil. On fait ce qu'on peut. Hein. Quand on s'entraîne pas, de toute façon. On a fait une petite boucle de 2,7 km. On vient au départ, donc ça a étiré pas mal. Hein. Et puis bah, on attaque le. Là-bas, quoi, là-haut. Ouais. J'ai 400 des plus. 450. Ça grimpe sec. Hein. Voilà, on était là-haut hier. Taillefer là-haut. Et tous les lacs.
Vous allez voir, il y a un bon plateau derrière. D'accord, hein. Au plateau de fromage. Un plateau un peu tourbeux, un peu humide, mais. Ça va, ça se passe bien tout le monde? Ouais, ouais. Il y a la corde en haut à gauche qui va pas mal pour la main gauche, si, pour ceux qui sont plus. Mais c'est bâton ou corde, c'est au choix. Bonjour, ça bonjour. Va ouais, ça va. Bah, ils filment tout le long en plus, alors là, il y en a qui ont la forme. Pas hein. Tout le long, mais. Ouais. Parfois. Un peu, ouais. Bravo en tout cas. Hein. Merci. Bravo. Ouais. Voilà, on a passé les cavés. On arrive sur un plateau assez agréable, très humide. On a traversé une zone de tourbe là. Protégé Natura 2000. Un espace, oui, je crois que c'est quelque chose de protégé. Tant ils envoient 1000 coureurs dessus, ou 2000 ou 3000 avec le 160. Je sais pas, bon, c'est agréable, là, il fait frais, ça fait du bien. Premier ravito. C'est un petit dérangé. Moi, je t'avoue que quand j'ai vu que j'étais... Bien, salut, ça va? Ouais. Bien. Ouais, bon. Comme un troisième jour. Démarrage à froid, quoi, là, dans la montée. Ouais, hein. Ouais, il y a un petit échauffement, quand même, une petite boucle, là. Ouais, un petit peu, ouais, bon. Pour dire. Mais du bon, coup, ça va mieux toi? Ouais, je t'ai coupé la parole, mais. Ah non. Ça va mieux? Ouais, allez. Ah, parce que. Hein non, non. Elle a eu un petit peu mal hier en fin de journée. Bah oui, hein, mais comme quoi. Ah ouais, bah. On repart, hein, le c'est ça, hein. C'est le challenge. C'est un jour ça va moins bien. Un, un jour on débute bien, un jour on finit mal. Bon, allez. Et voilà. Continue. Bon, éclate-toi bien. Ouais, toi aussi. À tout à l'heure. Ouais. On voit là-haut, entre les deux arbres. Allez, Saint-Yor. Allez, on est toujours là. Ouais, ces petites récompenses là qu'on a quand on fait du trail. On vient jusqu'ici, mais. Kilomètres. 50 minutes en marchant. 50 minutes en marchant. C'est sublime, hein. En plus, on a un beau temps, c'est cool. Bah, ouais. C'est toujours pour ça qu'on monte, hein. C'est toujours pour voir des. C'est vrai que c'est difficile de mettre deux équipes de balisage. Hein. Ouais, on est en train de discuter que peut-être on allait zapper le grand colon. Parce que j'ai entendu, mais en fait on zappe poubelle d'âne quasi. Bah ça veut dire qu'on zappe, ouais. De la 3 à... Bon c'est con, moi j'ai envie de monter, moi. Ouais. C'est assez caillasse ici, hein. C'est belle d'âne, c'est comme ça, c'est de la caillasse. En fait c'est pas du tout la même pierre, la même roche que... bah déjà le Vercors, c'est sûr. Du calcaire ici, c'est, je sais pas, c'est un granit sans doute. Ça c'est bien des randonneurs, eh. Bravo. Ah ouais, je me disais justement que c'est chiant d'aller vite en fait, parce que tu profites pas. Bah voilà, bah, tu vois, se poser. Nous profite de vous, en tout cas. Bravo, courage. Bravo, c'est vrai. Ouais, courage. Ouais, je me disais ça. La montagne, c'est quand même super beau. Puis là en bas, avec tous les lacs, j'ai envie de t'arrêter et de te poser. Je crois que je vais me remettre à faire de la rando, des treks. Parce que les courses, bah, c'est bien, quoi, mais tu profites pas vraiment. Bivouaquer en montagne, l'aube et tout, c'est génial. Ouais. Ça sert à quoi finalement de courir comme un dératé
Bon, j'arrête pas de m'arrêter pour filmer tellement c'est beau. Merde. Voilà, on était en bas. Ouais, bah oui, on était en bas, hein, normal. Et on arrive à la Ravito là, juste au-dessus. Ravito de Champs-Rousse, la croix de Champs-Rousse. Avec des super bénévoles comme d'habitude. Ouais, l'orga est top ici, hein. Vraiment. Oh, ouais, non, j'ai pas mal de courses et ici, vraiment, c'est bien. Bonjour Bernard. Pouah, la vue là, sur Grenoble. Ah, c'est superbe. Ouais, donc c'est confirmé, on passe pas au Grand Colomb. Du coup, ils ont fait un parcours de repli là. Descend une piste de ski, c'est super raide, c'est pas génial. Sauf que bon, les quadrilles là, ils commencent à morfler. Ah ouais. Derrière un gars qui est en train de faire le... Ouais, je suis en train de filmer, excuse-moi. Derrière un gars qui est en train de faire le... extrême là. Je lui dis, oh, t'as pas de chasuble. Non, 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 c'est... il fait l'extrême. D'ailleurs, il m'a doublé tout à l'heure une vitesse dans la montée. C'est toi, je crois, tu vas doubler comme un fou. Alors, bon courage. Hein. Bon, je sais pas qui c'est, ce coureur de l'extrême, là, du 160, mais il va plus vite que moi. Le sort de 114, c'est Xavier Sémin. Il a fini 4e du 160 de l'extrême. Alors que bon, moi, je suis pas une machine, mais quand même. Bah lui, il va plus vite que moi, il a... Ouais. On arrive en bas du téléphérique. Bah, j'avais jamais vu en vrai. Troisième jour, ça un peu mieux, hein. Ouais, c'est ouais. Nicolas Arbib. Ouais. Ouais, expert. Il m'a doublé dans le Vercors avec un maillot meilleur sprinter. Ouais. Je me suis dit, waouh, le mec, il est meilleur sprinter. Ouais, mais j'étais. Ouais. Mais bon, je pense que j'ai aussi été le plus malade. Hein. Ouais, mais moi, c'est sympa. Moi, je fais claquer aussi. Bonne ambiance. Ouais. Hier, j'ai fait tous les lacs. Donc je vais pouvoir faire un petit livret sur la kinéthérapie. Mais oui, j'ai vu que tu étais plongé dans le lac. Ouais. Lac, rivière. Ah, c'est ouais, cool. J'étais cuit. Et là, putain, mais bon, là, je prépare l'échappée belle, donc... Voilà. Ah bah écoute, je serai sur l'échappée belle, moi je ferai des photos comme photographe. Donc si tu bombardes un peu, je te prendrai en photo. Je sais pas si je vais bombarder. Bon allez, continue, ciao. On passe près d'une... C'est une sorte d'auberge ou un petit refuge ou... Oui, c'est un refuge, mais il est accessible en voiture. C'est super sympa. On vient de faire 5-6 km de descente en... sur une piste forestière. Je pense que très vite, j'en ai marre de courir là. On va faire 10 bornes qu'on court ensemble avec Didier là. Au moins. C'est un peu chiant, hein. Ouais, au moins, ouais. Alors la descente est finie là, on est sur du plat. Ça fait 3 jours qu'on court ensemble. Oui, ça fait 3 jours en vrai. Pas loin. J'ai un caillou énorme dans la chaussure. Ah ouais, j'ai une ampoule. Ah. Ah. Bon bah tout à l'heure, hein, je t'attends pas. Qu'on est parti du ravito de la croix de Champs-Rousse. Ça commence à être un peu long là. On a eu un ravitaillement en eau improvisé là. Heureusement.
Il va rester encore au moins 3-4 km. Pff. 17 km depuis le dernier ravito. Tout à l'heure, quand j'ai dit 15, je me suis trompé. Il devait y avoir seulement 12. Ça commence à être long là. Encore 2-3 km. Voilà, c'est ça le parcours de repli. Le mental, c'est un truc spécial. Hein. Enfin, c'est spécial, oui, mais... Enfin, c'est spécial. Pas grand chose d'autre que ça, hein. Le mental, c'est juste quand c'est plat. Et tu te dis, il faudrait que je cours là. Et tu cours pas. Bon, allez, quand même. Ah, il y a de l'eau là, je vais en prendre dans mon verre. Merci. Allez, Vincent. 300 mètres. Allez, merci. Allez. Comment tu t'appelles? Lola. Comment? Lola. Lola, merci. Oh, c'est pas trop tôt. 19 km sans ravito, c'est pas mal, hein. Excellent les petites vidéos, super. C'est vrai? Ouais, j'ai vu ça hier soir. Ah, génial. Bon courage, hein. C'est respect. Hein. Ouais, bon, ouais. Mettez un commentaire, ou un petit truc, okay. Genre je vous ai vu là, ou un truc. Ah, très agréable. Parce que j'en vais faire une sur chaque jour. Bravo. Hein. C'est combien de temps que t'es là? Comme ça aussi? Là, ça fait une heure presque. Une heure? Putain, tu vomis toujours? Ah ouais. Ouais. Non mais marche plutôt que de rester assis, ouais, puis ouais. Tu vomis, puis tu marches. Je vomis. Ouais mais tu choisis, hein. soit tu finis tranquillement mais genre pépère. Ouais, voilà, dans... Soit t'arrêtes. Hein, mais... Ouais mais je vais finir. Il y a 6 km de descente et 6 km de plat. Voilà, on attaque là. On attaque depuis 1 km mais la descente finale, il y a 14 km jusqu'à l'arrivée. Là je suis dans le sprinter. Bon, on peut pas dire hein, que j'aille très vite, hein, mais bon. Cogne. Oh putain, dernier ravito. C'est dur la fin là, il fait très chaud. Je sais pas combien il fait de degrés mais... En Celsius au moins 40. Je sais pas. Bon, c'était bien, il y avait un... Près de la maison, il y avait une femme qui remplissait des seaux d'eau et... Je m'en suis versé un sur la tête. Oh, quel bonheur! Il y a plein de choses comme ça. Hein. Le bonheur, c'est tout simple. Hein. Hey, bon courage! Ouais, toi aussi. Puis au quotidien, bah, le bonheur il est rare. Hein. On est souvent blasé. On s'attend à plus, on en veut plus. Sans un trail, le bonheur, c'est tout simple. C'est simple comme un seau d'eau. Hey, je termine avec Monsieur Habib. On a chien. Hein. Écoute, je suis bien content quand même. Ouais. D'abord, je finis. Pas joué.
Ouais, moi aussi, hein. Je suis content. Ouais. Parce que, bon... Malgré la chaleur, ça fait plutôt bien. Ouais, puis deux appels au Grand Colomb, je me dis rien, c'est pas forcément mieux. Hein. Ouais. 1 km. Putain! La fin était dure, hein? Qui lui permet de se protéger de toutes les rayons solaires. Félicitations, Vincent, bienvenue. Merci. Et une nouvelle arrivée féminine ici sur le massif du jour, Belgium, avec Karine. Comment il va, Vincent, aujourd'hui? Ouais, je suis mort. Ouais. Autant. Je suis parti, mais la fin, là, c'est une grille. Ouais. C'est scandaleux, il a pas faire ça, c'est interdit, vraiment. C'est trop dur. Je sais pas combien il fait, là. C'était pour vos entrées. 45, apparemment, 45, peut-être 46. En tout cas, okay. C'était pour vos entrées avec la chaleur. Ouais, on va dire ça, ouais. Ouais, on va dire ça. Là, qui est prêt pour la diagonale des fous, mon ami? Non, personne. Non, je fais tant qu'il met dans le désert tunisien, début octobre. Ah, voilà, là, en termes de chaleur, mais par contre, dans le désert tunisien en octobre, méfie-toi, des nuits. Ouais. Parce que tu vas avoir très très froid la nuit. On fait Luca Imeden avec l'UTAT et je peux te dire que autant la journée tu peux crever de chaud, autant la nuit tu peux crever de froid. Je vais mourir de froid là. Deux raisons de mourir par jour. Oui. Je suis avec Thomas, ça va? Ça va. Ouais, alors comment ça s'est passé? Ça va, très bien. 7h. Ouais, bien. 7h. Putain. Ah ouais, 7h. Ah mon salaud. Ah ouais, mais bon. Bon, ça va, ça s'est bien passé. Ouais. On prend une douche? Ouais. Mais, c'est qui c'est le con qui me tape sur l'épaule? Oh là là, putain, qu'est-ce que ça a été? Bah, j'écoute, j'étais en pleine forme sur la fin. Là, le bitume, le soleil, c'était, ah ouais, c'était un délice. Non, mais c'était une horreur. C'est une horreur.